Ouaga Digital Show. Ce qui est donc du panel du jour, donc j'avais avec moi deux experts, Madame Zongo qui est du ministère du Commerce et Monsieur Cabré qui est le fondateur de EcoData. Donc nous avons adopté une démarche assez simple, nous sommes allés d'abord des difficultés que nous avons donc en faisant l'étude de l'existant, trouver un peu les enjeux, qu'il y a et quels peuvent être effectivement les contributions que le digital pourra apporter pour la valorisation de nos produits. Donc en termes de difficultés, nous avons relevé effectivement que le taux d'utilisation effectivement de Facebook, du digital, n'est pas aussi énorme. Quand bien même qu'on est 65% de la population qui est en dessous de 25 ans, l'âge médian qui est de 17 ans, et déjà avec le taux de 60% de pénétration du mobile phone, donc ce qui fait que les smartphones aujourd'hui peuvent être utilisés. Donc déjà, c'est vrai que c'est d'abord une difficulté, c'est pas trop utilisé, mais c'est en même temps aussi une opportunité. Aujourd'hui, comment le digital peut être une opportunité, peut être le tremplin véritablement pour le positionnement des produits made in Burkina Faso. Beaucoup de choses sont déjà faites au niveau du ministère, des plateformes existent, l'accompagnement des acteurs existe, les centrales d'achat, tout ça sont mises en place pour améliorer un peu la visibilité et surtout la rentabilité du made in Burkina. Ouaga Digital Show. Il s'agissait dans ce panel-là de faire un diagnostic donc de l'arrivée du numérique au niveau de la chaîne des valeurs de la filière musique, la création, la production, la diffusion et la commercialisation. On sait que l'entrée du numérique a bouleversé toutes ces chaînes de valeurs. Au niveau de la création, par exemple, vous avez une montée en puissance donc, des amateurs. Donc aujourd'hui, avec des vidéos simples, la création n'est plus limitée comme dans l'analogie. Aujourd'hui, elle est illimitée. Au niveau de la production, vous avez l'entrée des GAFA, les gros groupes d'Internet, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, qui captent toute la valeur donc des dividendes issus donc, du numérique. Vous avez au niveau donc, de la diffusion également, les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram, qui prennent le pas sur les médias classiques, mais qui réduisent aussi le coût pour les producteurs indépendants. Donc voici entre autres ce diagnostic qu'on a fait et on a essayé aussi de proposer, parce que c'est des défis, il y a la question d'une réponse appropriée à la fracture numérique. Vous savez qu'on a la question des data, des bases de données, parce que Internet n'est pas assez fluide sous nos cieux. Mais on a la question aussi de la structuration aussi des corps de métier. Et parce qu'avec l'arrivée de ces majors sur le sol burkinabé, il y aura donc une reconfiguration de l'écosystème. Donc il faudrait que les artistes soient prêts à une meilleure lecture et à un meilleur diagnostic des contrats, parce qu'on aura des contrats, ce qu'on appelle les contrats à 360 degrés. C'est des contrats où le producteur est en même temps éditeur, donc il capte tout avec les bureaux de droits d'auteur. Je suis intervenu sur la gestion de l'image des artistes aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux. Il faut dire que beaucoup d'artistes en fait ont fait le pas, ils ont migré rapidement sur les réseaux sociaux sans véritablement avoir pris le temps de mettre des garde-fous en fait aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des images qui postent malheureusement qui les desservent en fait par la suite. On a pris des cas palpables en fait pendant la conférence. Donc aujourd'hui, il appartient aux artistes en fait de comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux en fait leur permet en fait de vendre, mais aussi peut nuire en fait à leur carrière. Une image, ça se construit pendant un temps, mais il faut juste qu'une petite image, juste en un clic en fait pour détruire leur carrière. Donc il faut aujourd'hui qu'ils apprennent en fait à soigner leur image sur les réseaux sociaux, à apprendre en fait à gérer leur réputation en ligne, jeter un œil sur ce qu'on dit d'eux, ce qu'on pense d'eux, pour espérer tirer le meilleur profit en fait de leur présence en fait sur cette plateforme digitale. Ouaga Digital Show. Lorsqu'on parle d'inclusion financière, il s'agit pour les populations d'accéder aux services financiers à un coût raisonnable, d'avoir un accès à des services financiers de qualité, à des services financiers responsables qui leur permettent d'améliorer leur niveau de vie. Donc, nous allons nous intéresser effectivement à la question de l'inclusion financière, mais également explorer comment le digital peut permettre d'améliorer le niveau de vie, d'améliorer le bien-être des populations du Burkina Faso, surtout de la jeunesse en face de laquelle nous sommes. En tant que professionnel de ce secteur, ce que je veux dire, c'est quand on parle d'inclusion financière sous l'angle de la digitalisation, il s'agit de toute possibilité en fait, d'offrir un service financier. Au niveau de l'incubation, nous ne considérons plus la finance digitale comme
comme une entreprise. Nous l'intégrons systématiquement comme un outil d'opérationnalisation de l'entreprise. Il y a la question de financement des entreprises qui se pose. Les jeunes n'ont pas accès au financement. Et une fois que l'entreprise est digitalisée, ils peuvent vendre leurs produits de prime abord sans même être enregistrés au niveau légal. Ce qui leur fait, ce qui engrange de l'argent pour se développer en attendant qu'ils se s'implantent physiquement pour commencer à payer des taxes fixes qui les absorbent pour la plupart du temps du climat des affaires que nous avons au Burkina Faso. Ouaga Digital Show. Ouaga Digital Show est réfléchi et pensé par notre agence Digicom, qui est en fait une agence de marketing digital. Nous avons constaté d'abord dans le paysage du Burkina que les startups ne sont pas assez visibles. Donc il fallait absolument, à notre niveau, créer une plateforme afin que les startups se retrouvent. Déjà créer le contact en air et puis essayer d'avoir de la visibilité sur toutes les expositions ici au Burkina, mais également ailleurs. À travers ce forum-là, nous avons voulu apporter notre contribution, comme je dis une fois de plus, à l'écosystème digital. Car nous sommes un acteur, comme je dis, nous sommes un acteur digital. Donc nous ne pouvons pas rester en marge de la 4e révolution. C'est pourquoi nous avons réfléchi sur ce projet-là. À la fin de ces deux jours d'activité, nous sommes satisfaits car tous les partenaires, notamment les startups, les incubateurs, ont répondu à 100% au projet. Tous les incubateurs nous ont approché, ont répondu en lien au projet. Donc nous sommes satisfaits. Et également, les startups ont participé, ils ont inscrit sur notre plateforme. On a eu au total 57 projets qui sont inscrits et 30 ont été retenus pour le concours pitch. Donc, en termes de satisfaction, nous sommes très heureux. La population a également été au rendez-vous. Vous avez vu avec moi qu'il y avait des autorités, notamment le maire de la ville de Ouagadougou, à préparer ce projet en étant le co-parrain. Et le ministre de l'Énergie également, qui a accepté d'être parrain de cette initiative. Et nous allons donner fierté, voire surtout pour continuer pour l'année prochaine. Et déjà, en termes de perspective, nous allons faire la deuxième édition de Ouaga Digital Show, certainement en 2020. Et nous n'aurons pas dû arrêter en bon chemin. Nous allons même réfléchir, voir comment est-ce que nous pouvons, au-delà de Ouaga Digital Show, continuer et c'est ce qu'a fait l'activité de proximité, toujours dans le cadre de la promotion et de l'émergence du digital. Que tu sois, je ne veux que tu viennes du cul.